Que se passe-t-il lorsque vous mettez dans le même panier la meilleure Viper du Japon face au meilleur Guile du Japon? Vous pouvez remplacer le mot Japon par le mot monde, ça fait plus grand si vous préférez, ce sera toujours tout aussi exact, et bien c'est ce qui va se passer dans cette huitième de finale. Uryo, Best Viper versus Yasuo, Best Guile. C'est un match que l'on n'a pas l'habitude de voir. Yasuo, c'est le gars. Il n'y a pas beaucoup de vidéos de lui qui circulent. Il fait pas énormément de tournois dans la région Tokyo, Osaka, Nagoya, vous voyez. Donc, on a absolument besoin de renseignements sur ce Guile de l'enfer, le seul Guile grand maître du Japon. Allez, on range un peu ses lunettes dans... Je sais pas où il les range d'ailleurs, c'est un peu bizarre son coin de rangement de lunettes. Et on est parti avec le Sonic Boom qui fait double touche sur un Seismo d'entrée. Ça va être un gros match. Hein. Je sais pas vraiment ce que ça peut donner comme versus, mais ça va être très intéressant. Allez, viens jouer le Thunder Knuckle qui ne passe pas. Allez, saut gros pied, stand gros point, Sonic Boom et on maltraite. Il a tenté une air chop et une chop basse, Yasuo. Ça n'est pas passé, prend un petit ex-sismo dans la garde. Et Sonic Boom, Yasuo qui a pas peur de trouver le ciel en fait dans ce versus, il a entièrement raison. Il a totalement l'avantage, quasiment surtout dans les airs face à Viper. Le tick trop bien évité, puis la déchop trouvée, vous voyez, back break immédiat sur le saut de Viper, saut gros pied, somersault cancel. Il a eu le temps de charger le somersault là-dessus hein, quand même. La balle est en compte, Sonic Boom, ultra rapide dans l'avant-gros point. Oh, yaï, c'est pas possible. Ultra totalement réflexe, attention à la relever, il évite tout par le back dash. Le burning qui cross a bien évité. Thunder Knuckle, le somersault qui vit enchaînement de light, y'a pas possible Yasuo. C'est bon, bah medium, Sonic Boom, ça a gratté. Oh là là là, il part passer loin Yasuo, mais il prend le premier round sur Uryo. Il prend le premier round, mais c'est passé à ça, à rien du tout de l'epic fail sur le somersault qui est passé au travers de je ne sais plus quoi d'ailleurs. Il a bien failli se faire contrer, ça n'a pas été le cas, heureusement. Et il prend le premier round Yasuo. Allez, c'est parti, hein. C'est le premier match hein, de ces deux joueurs dans la compétition. Et c'est directement à 8ème de finale. Allez, la balayette qui passe, bien joué Sonic Boom à la relevée. C'est quasiment gratuit sur Viper. Le ex Seismo suivi de Burning Kick en High Jump Cancel. Ça n'impressionne pas plus que ça. Yasuo qui est pour le moment gravement en avance. Uryo qui trouve pas les solutions, qui vient là dégommer une aile du Boeing. Voilà, peut-être d'énervement. Somersault Cancel immédiatement pour se sortir de tous les pressings éventuels. Viper qui évite un cover. Ah, des back break. Voilà, tiens, mange ton dos, saut gros pied. Ah, le balai kick somersault qui est évité évidemment par le ex Seismo. Là, c'est bien joué de la part de Viper. Enchaînement, Light and Light Punch, bang, gros point, boum, dans la face. Là, tu lui laisses passer un balai kick. À Yasuo, c'est immédiatement Stand Light Punch arrière gros point dans la gueule. Tu le prends direct et Yasuo qui vient de battre Uryo. Yasuo qui vient de battre Uryo, je dis, hein, c'est pas le meilleur Guile du Japon pour rien. Il est tout simplement incroyable, absolument incroyable. Il te ferait presque oublier que Guile est low dans Street Fighter 4. Parce que c'est vrai que un bon Guile, ça peut être une horreur. Mais là, il prend les burning kick cross-up à la relevée avec cette feinte. Vous voyez, il fait des light kick en disant, je vais te faire un mitty. Et en fait, il chope Uryo qui munce un peu la gueule de Yasuo. Il se retrouve dans le coin, il a totalement raté son enchaînement derrière le Sonic Boom. Du coup, il prend une chop, burning kick cross-up, le solar kick, twin one burning kick, c'est gardé. Voilà, on prend un petit somersault reversal là-dedans. Le Sonic Boom encaissé par Uryo, mais Uryo qui est quand même grandement en avance pour le moment. Enchaînement de light. Ah, il est un tout petit peu trop loin pour mettre ce arrière gros point, malheureusement. La saving dans la garde, on s'est pas passé loin celle-là non plus. Se replie un tout petit peu Yasuo là-dessus. Le Sonic Boom qui a cassé le Burning Kick. Difficile de passer au-dessus de ces Burning Kicks. Le ex Sonic Boom qui est passé. Il a fait double touche avec le Seismo. Allez, c'est le choper. Mais il vient encore mourir son Burning Kick dans le Sonic Boom. Le Burning Kick chope. Pourquoi il a pas déchopé Yasuo, là, l'overhead cross-up. Bien joué. Et le Somersault dans la garde immédiatement puni par Thunder Knuckle. Allez, ça, c'est une feinte. Il adore cette feinte, Uryo. Il est encore à corps. Il dit, je vais te faire un overhead. Mais non, en fait, c'est juste pour passer dans le dos, faire un espèce de short top cross-up, voilà, et trancher derrière. C'est vraiment pas mal efficace. Allez, somersault dans le burning kick et ouverture de la marque pour Yasuo qui prend quand même un Seismo. High jump cancel, burning kick, re-somersault dans la tête, re-somersault. Regardez, finalement, ça fait mal, hein. La pauvre Viper qui a perdu pas mal de vie là-dessus. Bien joué, dash avant. Oh là là, le Thunder Knuckle tout ultra en anti-air. Ça passe cash et ça repète l'aile. Elle était déjà pété, cette aile-là. Somersault cancel, ça repasse. Cross-up, light kick, il se fait choper, malheureusement, Yasuo là-dessus. Il a plus beaucoup d'énergie, il a de quoi cancel. C'est un somersault. Ils viennent de faire quoi là? Ils viennent de recevoir un message. Mais l'overhead
Uriu qui passe et un partout entre les deux adversaires. Et c'est là où on se rappelle qu'on joue quand même sur Xbox. Et je pensais qu'ils les avaient déconnectés du net, mais ils sont quand même connectés à internet avec leur Xbox. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Voilà, on a donc un set partout entre Uriu et Yasuo avec le Burning Kick qui est passé dans la garde. Voilà, Balai Kick, le Sendai Punch qui n'est pas passé malheureusement un tout petit peu trop loin et remeurt sur les Sonic Boom. Combien de fois il est mort sur les Sonic Boom Uriu avec ses Burning Kick qui n'arrive pas à traverser. Le Burning Kick qui passe en entier. Attention à ces messages là qui arrêtent pas de venir. Laissez-nous jouer tranquille, s'il vous plaît. Alors, ce Burning Kick passe au-dessus du Sonic Boom, ce Medium Kick, Stand-like Kick, décalage chop, High Jump, High Kick. Voilà, et punition immédiate, Balai Kick, Balai Punch, bas Medium Punch et Somersault. Ça fait très mal. C'est un vraiment le best combo de Guile. C'est ça, parce que ça ouvre sur l'eau. Somersault cancel entière. Le bas Medium Kick est passé. Encore un Balai Kick qui touche. Attention, il a l'ultra chargé quand même, Uriu. Et ça place de n'importe où. Par exemple là-dessus. C'est pas possible. Aïe. Le Thunder Knuckle entière. Tout ultra totalement gratos. Et Yasuo qui perd le premier round et qui se retrouve à un round de la défaite et du passage en loser bracket. Allez Yasuo, un peu de courage, faut pas te laisser intimider. Voilà, la saving dans le Burning Kick, ça c'est très bien joué. Malheureusement, ça a pas touché level 2. Ce morceau le cancel. Le SWHK cassé par le Thunder Knuckle High Punch. Avec ici Uriu qui met une pression de tous les diables. Le Burning Kick est passé. C'est pas possible. Hein. Le Balai Kick, bas Medium Kick qui a whiffé. Il était déjà dans les airs, Uriu. Entre le Balai et le bas Medium. Avant gros point qui passe. Allez, bien joué Yasuo, bien joué. Burning Kick s'est gardé. La fin, tout est gardé pour le moment. Yasuo qui passe un arrière gros point. La balayette qui touche. Bas Medium Sonic Boom. Allez, la pression. Voilà, enchaînement nice, Sendai Punch, saving. Pourquoi saving? Pourquoi? Il a raté son somersault. Malheureusement, il prend un Seismote ultra gratos dans le coin. Yasuo qui s'incline face à Uriu, tout simplement magnifique, qui n'a laissé aucune place à l'erreur possible. Yasuo devait être absolument parfait tout le temps. Et finalement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Uriu qui voit tout, qui punit tout, qui confirme tout. Uriu qui montre qu'il est particulièrement en forme dans ce God's Garden, prêt à réitérer l'exploit qu'il avait fait lors du précédent God's Garden.